Et salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous montrer comment créer, concevoir une petite usine spécialement pour les petits, nos amis les petits creepers, voilà, chercher le mot tout simplement. Bon, en soi cette usine sera que pour les creepers, elle fera aussi fonction d'usine, on va dire, à araignée. Alors vous pouvez patcher la chose, mais franchement les deux mobs sont vraiment très intéressants. Et on s'en fiche franchement, on s'en fiche un petit peu qu'il y en ait plus un que l'autre. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir tout simplement les deux, même si en soi on peut très clairement changer cette usine pour qu'elle se transforme juste en usine à petit creeper. Où c'est qu'elle est? Voilà ma petite night vision pour que je puisse vous montrer l'intérieur. Bon voilà, hein, c'est vraiment dans le principe de la X-Mob. Et encore celle-là, c'est pas la définitive. Après on ira faire la définitive, ça c'était juste pour faire des petits tests et tout. Mais en gros ça fonctionne avec le nouveau principe. Donc je vais utiliser ça, voilà, voilà, comme ça et comme ceci. En gros maintenant les creepers donc fonctionnent dans différents trucs comparé à avant. C'est qu'auparavant les creepers faisaient deux blocs comme tous les mobs, voilà, comme à peu près tous. Maintenant ils font un petit peu comme les personnages dans Minecraft, c'est-à-dire ils font pas 2 mètres, ils font 1,80, un truc comme ça. Alors là d'après le skin c'est pas logique, nous, mais nous on fait jamais 2 mètres dans Minecraft, hein. Tout le monde dit ça, mais c'est pas du tout le cas, hein. Si vous regardez bien, on ne fait pas 2 mètres, on doit faire 1,80, 1,70, je sais plus combien d'après l'hitbox sur PC. Mais les creepers c'est exactement pareil, ça fait qu'avec cette nouvelle petite méthode, en mettant des petites plaques de des trappes d'or, voilà, au-dessus des blocs et tout, et ben ça fait que il y ait que des petits creepers qui spawnent, et ça c'est super bien pour faire juste des usines à creepers. Et en plus avec les tridents et tout, maintenant on peut faire des petits creepers chargés très très facilement. Donc avec cette usine vous stackez tout simplement les creepers à un endroit, vous les mettez, et après avec une petite trident avec je sais même plus le nom de l'enchante, vous lui lancez dessus quand il y a de l'éclair, et puis boum, vous avez plein de creepers chargés, voilà, et vous pouvez faire des têtes très facilement. Donc voilà, on est parti aujourd'hui. Alors cette usine, je crois que je l'ai vue sur le truc de Mumbo Jumbo, je crois, je ne suis pas sûr, ou en tout cas c'était un des américains, donc je le mettrai peut-être dans la description si j'oublie pas. Mais aujourd'hui je vous le fais parce que déjà on est sur console et que les consoles, il y a quelques trucs qui changent, et en plus parce que voilà, j'avais envie de la faire tout simplement, et qu'elle est vraiment super bien, et qu'au futur je l'utiliserai, et je sais qu'il y en a plein qui vont l'utiliser. Donc voilà, on est parti sur une autre map, parce que ça c'était je ne sais pas quelle map. On va partir cette fois-ci sur une vraie map, et puis on va tout de suite commencer cette petite usine. Voilà, on est de retour sur une autre petite map. Donc là voici, je suis sur une map un petit peu stylée qui est plutôt pas mal. Alors première chose très 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 importante, c'est que quand vous allez faire l'usine, vous allez devoir vous mettre en hauteur, parce que le problème c'est que si jamais vous la faites là, là juste là l'usine, c'est que malheureusement vous allez avoir les mobs qui vont spawn dans les cavernes, vous allez avoir les mobs qui vont spawn sur la terre, et même si vous amusez à les éclairer ces zones, le problème c'est que le jeu Minecraft il va vouloir faire spawn des mobs à ces endroits là, et donc c'est pas bon. Et en plus il peut y avoir des moutons, des je ne sais pas quoi qui spawn. Donc voilà, en tout cas c'est pas très très intéressant de le faire à cette hauteur là. Mais donc pour faire ça c'est très simple, vous allez monter en hauteur, donc la couche maximale qui est la couche 256. Nous on va se mettre environ 10 blocs en dessous, 20 blocs en dessous. Bon moi je me suis mis à la couche je crois 230, donc c'est pas trop trop grave. Mettez-vous presque collé à la couche de max, mais donc 10 blocs en dessous, comme ça ce sera beaucoup mieux pour les spawns. Ensuite comme on peut le voir j'ai déjà commencé, mais bon vous inquiétez pas, je vais tout vous dire. Donc la couche max qui sera à cette hauteur, alors, il y aura peut-être 2-3 blocs au dessus pour faire de la redstone, mais c'est en plus. Après il faudra d'aller, ou du moins mettre de la lumière. Moi je préfère d'aller parce que la lumière, le problème c'est qu'il peut y avoir quand même des petits trucs qui peuvent se téléporter dessus tout. Donc vaut mieux pas. Et donc comment on fait? C'est très simple, vous allez faire un cube tout simplement, comme si vous allez faire une usine de base. Et en gros vous allez faire un cube de 25 × 25 en comptant ce bloc. Donc moi j'ai pas mis, mais on imagine que là il y a un bloc, voilà. Donc ici ça va faire 1, 2, 3, etc. jusqu'à 25 ici, etc. Celui-là ça va faire 25 jusqu'à là. Et donc voilà, ça fait un 25 × 25, et ça, ça sera les murs de hauteur de mémoire de hauteur de 17. Alors au passage, j'espère que vous n'entendez pas la play parce qu'elle fait un bruit monstrueux. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il fait 50 degrés. Je pense que c'est pour ça. Alors je me suis trompé, excusez-moi. J'ai dit 17 de hauteur, c'est bien 16 de hauteur, même si après on le descendra encore un peu, mais je vous expliquerai après pourquoi. Et en gros, donc, on va faire un carré de 25 × 25, et ensuite les intérieurs, ça sera donc du 23 × 23. Donc si je compte ce bloc-là jusqu'à ce bloc-là, ça sera du 23 blocs. Et ensuite, normalement, après, vous laissez tout simplement 4 blocs comme ça où il y aura rien de chaque côté. De toute façon je vais construire avec vous, donc déjà ce que je vais faire c'est que je vais refaire une petite paroi comme ça on va pouvoir bien comprendre. Là, je suis en train de construire, et alors j'espère, comme je vous l'ai dit, que vous n'entendiez pas le bruit de la PS4 en fond, mais là comme par hasard elle fait plus aucun bruit. Regardez, si je ne parle pas on l'entend pas. Enfin, du moins, on l'entend très très peu, et ça, c'est plutôt pas mal. Bon, donc on peut le voir, je fais la petite paroi, alors je fais les côtés, voilà, avec du blanc. Alors moi, comme vous pouvez le voir, j'utilise des nouveaux blocs, parce que déjà, c'est facile à voir, donc les différences et le nombre de blocs qu'il y a, comme ça, pour les gens qui veulent compter en temps réel, et bien, ils peuvent le faire.
et en même temps, on utilise les nouveaux blocs, quoi, et en plus c'est joli, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, qui est fait. Ensuite, donc comme vous pouvez le voir, moi j'ai fait plusieurs étages, alors moi je vous conseille d'en faire 5, vous pouvez en faire que 3, vous pouvez en faire que 4, même si 4 en frais, franchement, c'est plutôt pas mal déjà 4. 5 c'est vraiment overkill, hein, je vous promets que c'est vraiment trop pété, mais 4 ou 3 c'est déjà pas mal pour un début. Moi j'utilise de la glace, vous pouvez utiliser des blocs de base, franchement, en plus j'utilise la toute dernière glace, hein, parce qu'elle va beaucoup plus vite, elle fait glisser beaucoup plus rapidement, même si c'est très très peu rapidement, enfin c'est des petites millièmes de secondes en plus, mais sans vous mentir, quand c'est des petites millièmes de secondes en plus et que parfois ça en fait plusieurs secondes, autant vous dire que c'est plutôt pas mal. Mais bon, vous pouvez le faire franchement avec la glace que vous voulez. Alors ne le faites pas avec la glace de base parce que ça risque de fondre, hein. Je vous déconseille, même si bon, vous êtes normalement à une hauteur assez haute, donc ça ne fondra pas, mais je vous déconseille quand même de le faire avec. Et donc ensuite, maintenant on va donc utiliser donc tout ce qu'il nous faut. Donc il vous faudra des blocs ou alors de la glace pour ma part, et ensuite des petites trapdoors du bois que vous voulez, tout simplement. Et là vous allez construire un truc. Alors c'est exactement pareil pour le toit, même si le toit il sera rempli, hein. Là c'était vraiment pour voir un petit peu la forme que c'est. Et en gros, alors comme je vous ai dit, vous, ça sera une longueur de 23, hein, normalement, si vous comptez. À partir du cinquième bloc, vous allez mettre un bloc. Alors, en comptant le toit, donc comme je vous ai dit, ça faisait 16 de hauteur. Donc, le 16e bloc qui est celui-ci, là, que je viens de placer. Hop là, on remet toutes nos petites bêtises, voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'au 15e de hauteur, voilà, tout simplement, vous allez rien mettre au, 14e non plus, mais à partir du 13e, donc à celui-ci, vous allez mettre quelque chose, tout simplement, pour avoir deux de hauteur, comme je vous l'avais dit, hein, et qu'on puisse avoir juste un creeper qui spawn, tout simplement. Et là, vous allez vous écarter, donc au 5e bloc, vous allez poser, donc 1, 2, 3, 4, 5, voilà, qui est celui-ci. Alors, au passage, j'ai galéré quand même à vous expliquer à quel endroit il faut poser ce bloc, mais bon, de toute façon, je pense que vous comprenez, hein, juste en voyant à quoi ça ressemble, où c'est que c'est, hein, et si à moi, vous partez du bas, c'est très simple, vous avez juste à le mettre là, hein, c'est beaucoup plus facile en partant du bas. Et puis voilà, et de toute façon, c'est tous les deux, hein, faut qu'il y ait deux d'espace à chaque fois, hop, deux, hop là, deux, et vous voyez, à la fin, ça fait bien deux d'espace à chaque fois. Et ensuite, maintenant, on va faire un genre de triangle, donc tout simplement, à chaque fois, on va partir en diagonale comme ce que je fais, et normalement, si vous l'avez bien fait, au bout d'un moment, vous allez avoir juste un bloc qui sort. Donc allez, regardez ce que je vais faire normalement. Est-ce que ça va marcher? Voilà, alors, normalement ça marche, ça devrait faire exactement comme moi. Alors pas comme ça, voilà, comme ça vous devrez avoir juste un bloc au bout. Et si vous voulez tester encore plus, c'est très simple, vous mettez une source d'eau en plein milieu, et normalement la source d'eau ne coule pas tout simplement sur les côtés. C'est pour obtenir une source d'eau, voilà, comme ceci, parfait. Et c'est franchement pas mal. Ensuite, donc vous allez faire ça normalement pour toutes les hauteurs. Alors moi je vais le faire juste au-dessus ici pour qu'on puisse plus facilement le faire, ou même vous savez quoi, je vais le faire même pour toutes les hauteurs, comme ça on va bien capter et bien comprendre comment le faire. Voilà, alors faudra pas oublier tout simplement que ce que je fais là, va falloir bien évidemment le répéter trois autres fois, hein. Une fois ici, une fois là, une fois là, ou une fois là. Alors moi je vais vous le montrer une seule fois comment le faire, sinon on va y passer des années. Mais voilà, une fois que vous avez fait donc les plateformes à chaque hauteur, moi j'en ai fait 5, comme je vous l'ai dit, vous pouvez en faire autant que vous voulez des plateformes, mais enfin, n'en faites pas 50, ça sert à rien, n'en faites pas 8, je pense que ça servira à rien. De toute façon, le jeu a une limite de spawn, de mobs, donc ça sert à rien. Et en plus, plus vous en avez, au bout d'un moment, je veux dire, il y a une limite, quoi. Au bout d'un moment, ça sert plus à rien. Mais voilà, une fois que c'est fait, donc moi j'ai déjà fait, mais je vais le faire ici. Vous allez mettre simplement des petites trapdoors comme ceci, donc sur tout l'étage qui est ici, hein, sur tous les étages tout simplement, et en hauteur. Donc le faites pas en bas, la couche qui est en bas, donc je vais vous montrer juste après, parce que ça ne servira à rien, parce qu'il y aura absolument aucun mob qui va spawner en dessous. Mais vous le faites simplement à chaque endroit où c'est qu'en dessous vous avez une couche et que les mobs vont spawn tout ça. Simplement, hop là, on finit juste ça, comme ça je vais vous montrer l'endroit où il faut pas le faire. Donc vous faites là, 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 et vous ne le faites pas ici parce que ça ne sert absolument à rien. Et puis voilà, bon, je vais pas le faire non plus à tous les endroits parce que ça ne sert absolument à rien. Donc vous ferez ça bien évidemment à chaque endroit, moi j'ai déjà fait pour ce côté. Et puis voilà, tant qu'on y est, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut déjà mettre les petits dispensers qui vont être mis en plein milieu, voilà, comme ceci, si j'arrive à passer, merci. Et les mettre bien là, hein, à la place du bloc qui est ici, voilà. Et vous faites ça bien évidemment à chaque hauteur et à chaque couche, c'est très important. Hop là, comme ceci, voilà, c'est parfait. Hop là, voilà, c'est fini. Et ensuite, une fois que ceci est fait, on va rajouter maintenant un petit truc qui va faire que les mobs vont être perdus, tout simplement. Ils vont se dire, ah, mais il y a un bloc, au final, il n'y en a pas. Donc, en gros, on va venir mettre des petits portillons, enfin, tout simplement, des fence gates juste ici. Des portillons, oui, ça va être comme ça que ça s'appelle, je ne sais pas. Donc, pour les mettre, moi, je vais utiliser des blocs un petit peu que j'enlèverai tout simplement après pour qu'on puisse voir bien que ces blocs, je les enlèverai après. Donc, moi, je les mets comme ça. Vous pouvez essayer de les mettre comme vous voulez parce que malheureusement, on peut toujours pas les mettre en cliquant. Donc, ça, c'est un assez gros problème malheureusement, mais le jour où ce sera fait, ce sera plus facile. Malheureusement, aujourd'hui, on est obligé de faire avec des blocs d'or qui sont pas sur mon écran. Ils paraissent vraiment très très rouges, mais c'est pas trop grave, c'est des petits problèmes de réglage. Et en gros, ensuite, vous allez mettre tout simplement les portillons comme ceci. Alors que vous les mettez comme ça
ou comme ceci, normalement ça modifie absolument rien, mais bon, moi je les mets comme ça c'est plutôt pas mal, et n'oubliez pas de les mettre bien à la hauteur où c'est qu'il y a la paquetaise, ou du moins le bloc où c'est que sur les mobs vont spawn, parce que sinon c'est problématique. Hop là, là j'en ai oublié un, voilà, et puis bien évidemment vous faites ça à chaque hauteur. Alors comme je vous l'ai dit, je vais pas le faire à toutes les hauteurs parce que sinon, hop là j'ai fait une bêtise, parce que sinon demain on y est encore, et que surtout si je le fais avec vous, je pense qu'on va y passer 4 heures, mais vous inquiétez pas, à la fin de toute façon je vous montrerai cette usine finie, et même on la testera et tout, et je vais vous montrer après la redstone bien évidemment. Hop là, je finis juste de mettre cette petite rangée là. Voilà qui est fait. Donc une fois ceci est fait, donc bien évidemment vous répétez donc ce que je viens de faire là avec les portillons, les trappes d'or et les blocs pour faire les petites zones où ils spawnent. Vous le répétez donc dans les 4 de chaque côté tout simplement. Et normalement après une fois que c'est fait, donc vous rebouchez le toit tout simplement. Alors, moi j'ai mis de la lumière pour qu'on voie après quand ça va, quand il fera nuit. Mais n'oubliez pas surtout de ne pas mettre des dalles. Moi j'en ai mis là, c'était pour voir la lumière. Mais n'en mettez pas, parce que si jamais vous avez des problèmes de lumière, il se peut que il y ait peut-être des passages, voilà, par-ci par-là de lumière. Et si jamais et ben, il y a des mobs, et ça empêchera à certains endroits des spawns. Donc voilà, évitez surtout de faire ça, sinon c'est problématique. Ensuite, chose qui est assez importante aussi à faire, c'est tout simplement de venir mettre des blocs encore en dessous comme ceci ici. Parce que le problème c'est que la lumière, je sais que c'est bizarre, mais elle rentre par dessous. Alors je sais que c'est bizarre, mais ça fonctionne comme ça sur Minecraft. Donc moi j'ai mis au total 7 blocs de profondeur, je sais pas exactement combien il faut en mettre. Moi j'en ai mis 7, peut-être qu'il faut en mettre moins, peut-être qu'il faut en mettre plus. Mais vu comment il fait nuit à l'intérieur, je vois pas trop comment la lumière pourrait rentrer plus. Mais comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc j'en ai mis déjà 4 comme ceci, voilà. Hein, vous en mettez vraiment partout. Alors n'en mettez pas comme ceci, donc comme je vais vous montrer, ne faites pas comme ça. Si vous faites comme ça, ça va pas marcher hein, toute la longueur. Vous faites tout simplement, enfin ça va marcher mais ça va être dégueulasse. Donc vous faites dans vraiment le style de l'X Mobs. Donc tout simplement, vous mettez des blocs comme ceci, vous faites tout le tour. Et comme ça, ça va former un genre de X. Alors je le répète jamais assez, mais les blocs, que ce soit pour les murs, pour les toits et tout, ça ne change rien que vous preniez. Bon, faut éviter aussi de prendre du verre parce que la lumière va passer. Mais tant que c'est un bloc dur, ça ne changera absolument rien les gars. Donc ça, je m'efforce de le dire plusieurs fois, mais bon, c'est pas trop grave. Et une fois que j'en ai mis 4, j'en remets 3 comme ça fait 7 en tout. Hein, parce que pour les gens qui ne savent pas compter, 4 plus 3, ça fait combien? Mais ça fait 7 comme je l'ai dit. Mais voilà, donc bien évidemment je fais ça partout et bien évidemment aussi tout autour. J'adore ce mot, hein, bien évidemment. Depuis tout à l'heure je l'utilise, mais bon, c'est pas trop grave. Donc voilà, vous en mettez, hein, j'ai une petite ellipse, désolé. Tout autour, hein, comme je l'ai dit. Et puis voilà, donc moi je m'arrête là parce que sinon on va y passer des plombs. Allez, s'il te plaît. Merci, voilà qui est fait. Donc comme je vous l'ai dit, vous faites ça tout autour, ça vous formera un X d'en bas et vous fermerez en haut. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de faire ça. Tout de suite, je vais faire une ellipse, comme ça je vais faire toutes les plateformes, je vais faire tout ce que je vous ai dit, et on se retrouve tout de suite pour voir le rendu, normalement, ce que vous, ça devrait rendre, même si bon, si vous êtes en surface, ça va vous prendre quand même pas mal de temps avant d'en arriver à ce point-là. Hop, la petite potion Night Vision, voilà, donc on peut le voir, j'ai fini, j'ai fermé tout. Alors moi, j'ai fait des petites décorations, franchement, ça sert à rien, si jamais vous auriez pu laisser la glace comme ça, ça n'aurait rien changé. J'ai mis des blocs de plus pour donner un peu plus de style, franchement, pour faire un jour de château fort quand tu le vois de loin, mais en vrai, on s'en fout littéralement. Ici, j'ai mis des dalles, mais on s'en fout, comme je vous dis, littéralement. Et j'ai mis une plateforme que je vous explique. Après les hauteurs pour les mettre, et donc voilà ce que ça donne. Alors, quand vous l'avez fini, ça fait des couleurs trop chelou. Regardez, le vert il passe un petit peu, enfin c'était un peu du bleu tout à l'heure, maintenant il passe à du vert. Le bleu il reste un peu bleu, par contre, ça devient vraiment rouge et ça devient jaune. C'est vraiment chelou les couleurs, hein, quand vous avez du Night Vision, mais comme vous pouvez le voir. J'ai fait toutes les couches, j'ai mis des petits portillons, des petites trappes d'or vraiment partout, j'ai mis les petits, comment ça s'appelle, dispensers vraiment partout, comme vous pouvez le voir, et j'ai descendu ça de 7, normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est parfait, c'est le cas, comme vous pouvez le voir. Et donc, une fois que ceci est fait, donc vous allez faire une plateforme comme je l'ai fait juste en bas là. Alors, comment savoir à quelle hauteur faire la plateforme? C'est très simple, vous allez vous mettre à la couche la plus haute que vous pouvez avoir. Vous allez prendre tout simplement une carte pour ma part pour voir la hauteur si vous êtes sur PC, parce que cette usine est aussi possible sur PC. Vous le faites avec vos coordonnées tout simplement. Et donc nous on a la couche 227. Et en gros pour savoir, c'est que les creepers normalement peuvent spawner jusqu'à une longueur de 70 blocs par rapport à vous, et c'est en sphère. C'est-à-dire que c'est 70 blocs à gauche, à droite, donc ça fait en tout, si vous savez compter, 140 blocs en longueur, hein, bien évidemment en sphère. Et donc vous prenez la hauteur qu'il y a là, vous la soustrayez par le nombre que je vous ai dit, donc 70, et vous avez la hauteur maximale, enfin le bas, le plus bas que vous pouvez aller, sinon les mobs vont despawn où c'est que vous êtes. Et donc voilà, moi j'ai fait la plateforme à la couche 170, alors comme c'est un demi-dalle, en vrai c'est la 160, what? Ah non, c'est vrai que c'est les mêmes hauteurs, d'accord. Ok, je me suis trompé, mais en tout cas, je l'ai fait à la couche 170, c'est pas exactement 70 blocs plus bas, mais comme ça, ça m'évite
d'avoir des bugs ou quoi que ce soit. Moi, je l'ai fait à 64 blocs plus bas, si je me trompe pas, par rapport à cette couche. Et normalement, à cette hauteur, les mobs devraient spawn parfaitement. Alors, comme je n'ai pas mis les trucs en pistoule et que j'ai pas activé le mob spawn, c'est totalement normal. Et puis voilà. Et pour ce qui est de la zone de récolte, hein, vous faites à peu près la même taille. Ou alors, si jamais vous voulez qu'aucun mob ne se barre et que vous avez vraiment un centre parfait, vous mettez du verre partout tout autour du X et vous le faites descendre jusqu'en bas. Et en bas, vous mettez des hoppers vraiment pile à l'endroit où c'est que vous avez des X. Et si jamais vous êtes pas riche et que vous n'avez pas des hoppers, vous pouvez tout simplement utiliser des petits systèmes de rails en utilisant des minecart hoppers, voilà, qui sont juste ici. Ça coûte que 2 hoppers, c'est parce que vous allez en mettre 2 ou 1 tout simplement, mais ça coûte que 1 ou 2 hoppers selon combien vous en mettez. Et en plus, c'est très pratique. Et pour les gens qui ne savent pas comment faire après pour récupérer le loot qui sort de ces minecart hoppers, c'est très simple. Vous faites un système tout simple de minecart qui ressemble à ceci. Voilà, vous avez votre système qui passe et ensuite vous le faites passer tout simplement avec des hoppers sur ceci, voilà, sur des petits hoppers en dessous. Et en gros, imaginons j'ai un stack qui est dedans le minecart hopper, ce qui va se passer, c'est que le truc qui est ici va aller choper comme vous pouvez le voir. Et en gros, s'il passe, même en roulant, il les récupère. Donc si tu passes à côté, comme tu peux le voir, il en a plusieurs. Bon, ça c'est pour les gens qui ne savent pas utiliser des minecart hoppers, comme ça je l'aurais expliqué. Et vous le faites en dessous ou tout simplement vous designez un X pour que les mobs soient centrés, comme j'ai dit. Voilà, je vais pas trop me répéter. Mais voilà, maintenant une fois que ceci est fait, c'est parfait. Vous allez me dire c'est cool, mais il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le système redstone pour mettre l'eau. Donc on va s'occuper de ça tout de suite. Donc c'est très simple. Alors franchement, hein, je ne l'ai même pas regardé sur internet. Je suis quasiment sûr qu'il y a un truc qui doit y ressembler, quasiment sûr. Hein, parce que la X-Mob, hein, elle a été faite des millions de fois pour vous dire. Et je suis persuadé que ce système que je vais faire avec des torches de redstone, de trucs et tout ça, a déjà dû être fait, mais c'est pas trop grave. Et voilà, et en gros... première chose, ne mettez pas déjà les seaux d'eau dedans, sinon ça va bugger et sinon ça va pas être bien du tout. Seconde chose, moi j'utilise des dispensers. Si jamais vous avez peur que les dispensers bug ou les dispensers, non, les dispensers, je ne sais pas dire le mot, les dispensers, voilà, bug, et bien tout simplement, vous pouvez tout simplement utiliser des petits, voilà, des petits pistons, hein, voilà, vous les mettez de telle sorte que, par exemple, de ce côté-là, regardez, je vais vous montrer, vous mettez un piston comme ceci. Avec un petit système qui fait tout simplement que le piston soit activé et vous mettez par exemple de l'eau juste là, tout simplement comme ceci, tout autour des blocs pour pas que l'eau se barre. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez ouvrir le piston, l'eau va se barrer. Alors je sais pas exactement, on va faire le test ensemble. Alors j'ai peur que l'eau n'aille pas jusqu'au bout en faisant ce système, c'est peut-être le seul problème. Alors j'ai peut-être une idée pour le patch, mais regardez, si je vais ici, vous allez voir que l'eau ne va pas jusqu'au bout, c'est peut-être un problème. Donc voilà, mais bon, moi je vais utiliser des dispensers. Si jamais vous voulez utiliser une autre mécanique, faites de sorte que ça fonctionne, hein, bien évidemment, ou alors adaptez vos tailles de trucs pour que cela fonctionne. Et maintenant, je dois remplacer mon dispenser, non. Donc voilà, on va s'attaquer au système redstone. Alors désolé pour l'ellipse qui était un peu chelou. Donc vous allez vous mettre donc à côté d'un petit dispenser qui est celui-ci, voilà. Vous allez vous mettre comme ceci, vous allez faire exactement comme moi, vous allez faire... comme cela, alors moi je vais juste mettre un bouton, c'est pour après, hein, pour que je vous montre. Mais voilà, donc vous mettez deux torches comme ceci, vous en mettez ensuite, voilà, en petite ligne comme ceci. Alors juste décaler ça et ça, sinon je vais pas arriver à me faire jusqu'en haut. Donc vous faites ça jusqu'en haut, et voilà, donc ça arrive normalement comme ceci. Alors ne vous inquiétez pas, hein, il y a les redstone, ils vont être, les mecs qui sont bons en redstone, ils vont dire, mais qu'est-ce que tu veux là, mais bon, c'est n'importe quoi là. Ne t'inquiète pas Billy, je gère. Et donc voilà, donc vous faites comme ceci, donc voilà, allumé, éteint, allumé, c'est pas trop grave si c'est inversé. On s'en fout littéralement. Et donc ici on va faire comme cela. Et pour finir on va faire comme ceci, s'il te plaît. Merci, c'est parfait. J'en suis sûr que j'aurais même pu mettre juste une poudre de redstone. Mais bon, pour être sûr, j'ai mis des répéteurs, c'est pas trop grave. Là, il y a des gens, ils vont se dire, mais attends, mais c'est pas normal. Il y en a un qui a allumé, l'autre qui a éteint, l'autre qui a allumé, l'allumé et il est éteint. C'est pas du tout raccord. Ne vous inquiétez pas, mon ami, ne t'inquiète pas. C'est très simple. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te rendre donc dans la petite usine. Alors, je vais prendre par contre une potion de Night Vision pour que vous puissiez y voir. Les couleurs vont être dégueulasses, c'est pas trop grave. Tu vas prendre plusieurs seaux d'eau vides et plusieurs seaux d'eau remplis. Alors, comme moi j'en ai 5, voilà, on va faire comme ceci. Et là, tu vas choisir. Soit tu veux que tous tes systèmes soient allumés en même temps, c'est-à-dire que tu aies toute l'eau qui se dispense en même temps, ou alors que tu aies que deux côtés qui se dispensent en même temps, ou alors tu vas vouloir qu'il y ait que toutes les couches du haut s'enlèvent, toutes les couches du haut ont de l'eau, toutes les couches du bas encore n'ont pas d'eau, après ils ont de l'eau, après ils n'ont pas d'eau, etc. Vous avez compris, ou du moins tu fais dans le style que tu veux. Et une fois que la machine là, est créée, c'est très simple. Tu vas dans un truc, moi par exemple j'ai envie que toute cette ligne là soit mise avec de l'eau et toute cette ligne là soit avec de l'eau, mais par contre cette ligne là et cette ligne là, c'est compliqué à dire, soit sans eau, mais c'est très simple. Tu vas mettre un seau d'eau dans celle-ci, voilà qui est fait. Tu vas faire pareil ici, hop là, et bien évidemment tu vas faire ça aussi ici et même en fait à toutes les couches, voilà. Hop, je vais en récupérer deux.
Et vous allez voir ce qui va se passer juste après avec la magie de la redstone. Hop là, on fait ceci, on fait cela, c'est parfait, j'ai pas oublié de couche, c'est parfait. Comme tu peux voir, j'ai mis aucune eau. Pourtant, comme tu peux le voir une nouvelle fois, notre système n'est pas alimenté, ou du moins, il y a des endroits où c'est alimenté et d'autres endroits. Non, ne t'inquiète pas. Tu appuies une fois sur le bouton, donc ça sera le truc qu'on fera juste après. Et tu vois ce qui va se passer. Il va y avoir de l'eau ici, il va y avoir de l'eau là, là, là et là. Il y a de l'eau partout. Tu vas me dire, waouh, c'est magnifique, maintenant je veux pouvoir enlever l'eau. Mais c'est très simple, plus tard, tu auras juste à renvoyer un tic dans, enfin, une pulsion dans ce truc, et là, tu vas voir ce qui va se passer. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Et voilà qui est fait. Donc, une nouvelle fois, hein, si tu veux pas avoir de l'eau partout, ben c'est très simple. Quand tu n'as pas d'eau ici, tu remplaces ça par un seau vide. Et là, tu mets de l'eau, voilà. À l'inverse, là, tu veux qu'il y ait de l'eau, enfin, qu'il n'y ait pas d'eau. Là, tu veux qu'il y en ait... voilà, c'est très simple, tu fais comme ceci. Et là, tu veux qu'il n'y en ait pas. Donc là, il n'y en a pas, là, il y en a, là, il n'y en a pas, là, il y en a. Et là, il n'y en a pas. Et donc, si j'appuie sur le bouton, ça sera l'inverse. Le premier en aura et le deuxième n'en aura pas, etc. Regardez, regardez. Là, elle se met, là, elle s'est enlevée, là, elle s'est mise, là, elle s'est enlevée et là, elle s'est mise. Donc là, on a trois couches avec de l'eau et si je rappuie, ça va faire l'inverse. Bon, je pense que vous avez compris. Et donc, voilà. Maintenant, ce que je viens de faire là, vous le faites bien évidemment de chaque côté et ensuite, on voit ce que l'on fait. Bon, voilà qui est fait. J'ai mis le système redstone partout et ensuite, je les ai calés pour qu'on ait de l'eau à certains endroits, enfin, deux d'eau sur deux plateformes à des hauteurs et deux d'eau où il n'y en a pas, etc. Vous m'avez compris, regardez, hop hop hop, c'est plutôt pas mal. Maintenant qui est fait, donc je les ai calés dans ce style, c'est pour ça que je vous conseille d'utiliser des boutons, comme ça vous pouvez les interchanger comme vous voulez, et en mettant l'eau dans un style, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Si jamais vous voulez avoir de l'eau partout dans l'usine pendant un moment et pas d'eau pendant un moment, vous pouvez le faire, c'est comme vous voulez. Une fois que ceci est fait, on va s'occuper dès maintenant de relier tout ce petit drawa, c'est très simple. Vous allez simplement venir ici, voilà, et donc au coup on sait que vous avez mis ça, vous allez faire une petite ligne comme ça. Alors moi ça va passer à côté de ça parce que j'ai fait une petite modification. Voilà, et là vous allez faire pareil, regardez, hop là, vous venez là comme ceci, hop, on casse ce bloc parce qu'il ne sert à rien. Et on va faire comme cela. Alors ce que je vais faire, vous allez faire bien évidemment de l'autre côté aussi. Et encore une fois, je réutilise ce mot magnify comme vous pouvez le voir. Ensuite, vous faites comme moi, voilà, vous mettez des repeaters ici, ici, voilà. Vous en mettez un aussi là, là, et lui, vous allez le mettre à max tick, hein, c'est très important. Et ici, là, vous allez mettre un petit piston collant. Alors, vous pouvez mettre un piston de base, mais je vous le déconseille avec du sable. Mais moi, j'utilise un piston collant, il va en avoir quasiment pas beaucoup dans cette usine. Donc voilà, vous en utilisez un, vous en mettez un là, là, vous reliez de redstone. Alors, comptez bien qu'il n'y en a pas plus de 13, sinon, si, il va falloir mettre un repeater. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, normalement, ici, quoi que vous comptez, vous, vous en aurez toujours 11, à moins que vous avez loupé un truc dans votre usine. Mais normalement, si je me trompe pas, vous devriez être à 11, et une fois que ceci est fait de ce côté, vous allez faire pareil dans cette petite diagonale. Donc vous faites exactement pareil entre celui-ci et celui qui sera de l'autre côté. Hop là, faut pas oublier de mettre les ticks sur les petits répéteurs, sinon il pourrait y avoir des petits problèmes. Donc voilà, je vous le dis, hein, si jamais vous avez des problèmes avec la redstone, ça pourrait potentiellement venir de là. Voilà, une fois que ceci est fait, maintenant ça va être un peu le moment un peu chelou et galère, donc il va falloir remonter ce truc là ici. Et l'autre côté qui est ici, voilà, il va falloir remonter là, donc ça va être un peu galère. Donc, maintenant, comment faire? Comme je le disais, ça va être un peu galère. Vous allez venir un des deux côtés, vous choisissez celui que vous voulez, vous mettez un repeater comme ça. Là, vous faites monter, alors comptez bien 13, et une fois que vous en avez un peu moins de 13, vous mettez un repeater pour remettre le courant à max, sinon ça va bugger. Donc là, on en a 1, 2, alors j'ai fait une bêtise, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Alors moi je vais m'arrêter là, comme ça je fais une ligne là et après on mettra un repeater ici. Donc on peut déjà mettre la redstone là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là on peut mettre un repeater, ensuite on est reparti, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là on est quasiment en haut, donc on va faire un truc comme ceci, voilà. Hein. On va faire ça, vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme cela. Et là vous allez venir faire exactement comme moi en faisant un truc... Non, je me suis trompé, excusez-moi. Faites pas comme ça, montez encore de 1 et là vous pouvez le faire. Parce que le problème, ça c'est aussi un truc qu'il faut pas oublier, c'est que ne mettez pas de la redstone sur ça, parce qu'en dessous il y a des trappes d'or, des portillons, non, des trappes d'or, voilà. Si jamais vous mettez de la redstone sur ce bloc là, ce qui va se passer, c'est que les trappes d'or en dessous vont s'activer, désactiver et ça va causer des petits problèmes. Donc ne le faites pas, faites attention. Là vous mettez un repeater dans ce sens là, voilà, et vous ramenez le courant là. Normalement, si jamais vous avez fait comme moi, c'est-à-dire là vous l'avez ramené comme ça, de l'autre côté vous avez normalement votre truc là, vous faites exactement pareil, sauf qu'à l'inverse, pour arriver justement sur un truc qui devrait arriver du genre dans cet axe là si je me trompe pas. Donc je vais faire ça de l'autre côté, hein. Comme je dis, ça revient exactement à la même chose. Hop là, hop là, et on est parti. Voilà, alors, si vous n'êtes pas trompé, normalement vous devrez arriver à peu près comme moi, je dis bien à peu près,
On n'en est pas à 4 blocs près, c'est pas trop grave. Voilà, et c'est parfait, vous mettez un répéteur ici pour que ça envoie dans ce bloc et que ça alimente la ligne qui est là. Et ensuite là vous comptez aussi de faire gaffe qu'il n'y a pas 13 blocs, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc là il y en a 9, c'est parfait. Donc une fois que ceci est fait, voilà, là on a relié à peu près tout. Maintenant si je mettais un bouton là que j'appuyais, toute la machine s'inverserait tout à chaque fois que j'appuierais, c'est-à-dire que à l'endroit où il y aura de l'eau, il n'y aura rien, et à l'endroit où il n'y a rien, ben, il y aura de l'eau. Donc je ne vais pas le faire. Sinon ça sert à rien, donc je vais pas le faire. Mais voilà, en tout cas ceci est fait. Maintenant on va attaquer la dernière chose. Et puis voilà, on aura fini, c'est plutôt pas mal. Et donc maintenant c'est notre petite cloque qui va s'activer de temps en temps. Alors, vous allez pouvoir même la personnaliser pour qu'elle se bloque à certains moments. Voilà, chercher les mots, c'est bien fait. Donc vous prenez, il vous faudra donc pour cette petite cloque deux comparateurs, deux hoopers obligatoirement, deux pistons collants. De mémoire ils sont obligés d'être collants, oui c'est ça. Une redstone block, voilà un redstone block, un bloc de redstone simplement, et deux petites redstone. Voilà, c'est très sympa. Alors moi je vais la caler ici, on peut vraiment la caler où vous voulez. Comme je l'ai dit, faites gaffe de pas la placer sur le truc direct, parce que moi j'avais fait la connerie la dernière fois quand je l'avais designé cette usine. J'avais fait la connerie de le placer sur le truc, j'étais en mode mais pourquoi les trappes d'or en dessous s'activent, c'est quoi ce bordel? Et j'avais capté juste après, mais bon c'est pas trop grave. Donc pour la faire c'est très simple, je vais expliquer, parce que plus tard je suis en train de la faire mais j'explique pas. Vous allez commencer par mettre deux pistons collants, donc vous en mettez deux avec deux d'espace. Vous mettez ensuite une redstone entre un des deux à n'importe quel endroit, on s'en fiche. Vous mettez à côté cette redstone de l'autre côté, pas là où vous avez votre redstone, sinon ça va être galère. Après pour aller la relier vous allez devoir faire un détour, ça va être chiant. Vous mettez deux hoppers et les deux hoppers doivent être en contact, c'est à dire si vous les regardez en dessous, l'un va à l'autre et l'autre va à l'un, vous avez compris, j'espère en tout cas sur cette galère. Ensuite derrière ces petits hoopers vous mettez des comparateurs comme ceci, face à ces comparateurs vous mettez des blocs et ensuite vous mettez deux poutres de redstone comme ceci, voilà. Et ensuite pour enlever les blocs qui ne servent à rien derrière, qui sont ceux-là, voilà, et ceux-là ils ne servent à rien aussi. Et ensuite c'est très simple, à n'importe quel endroit ici ou bien là, ça ne change rien, vous mettez un repeater et ce repeater vous l'amenez tout simplement à ce petit endroit là comme ceci, voilà. Hop là, je me suis trompé, je croyais que c'était le répéteur dans la main, mais non, vous faites comme cela et normalement si jamais vous ne vous êtes pas trompé ça devrait bien se passer. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai cassé ce bloc, c'est pas trop grave. Et là vous allez dire mais c'est cool mais la cloque ne se lance pas, c'est normal mon ami, c'est normal, il va falloir mettre il va falloir mettre des blocs dans les hoppers. Selon le nombre de blocs que vous allez mettre, la cloque tira plus vite ou moins vite. Moins vous mettez d'items, plus ça ira vite. Plus vous en mettez, plus ça ira vite. C'est logique. Moins ça ira vite. C'est logique. Donc vous en mettez par exemple 16. Moi de base j'en mettais plutôt 20. 20 c'est plutôt pas mal. Voire plus, ça dépend. Moi j'en mets 20. Et en gros à chaque fois elle va faire clac, 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 clac. Et à chaque fois qu'elle va faire un clac, vous allez voir ça va s'allumer. Puis après ça va s'éteindre. Allez, s'il te plaît, éteins-toi. Comme tu veux, voilà, s'éteint. Et hop, elle va se rallumer. Donc 20 tics, je sais pas combien ça fait pour passer de blocs et tout. Je sais pas exactement. Mais ça fait une petite cloque des familles. Là vous allez me dire mais attends, mais nous on voulait un truc qui ressemble à un bouton. Quand on appuie ça fait un truc de bouton. Là la redstone elle reste allumée. Ne t'inquiète pas mon ami, j'ai géré. Ici on a ce qu'on appelle je sais même plus comment on appelle ça. Mais ça permet en fait de, quand on envoie un courant, comme vous allez pouvoir le voir, le courant va s'envoyer, ça a envoyé un courant et puis ça s'est désactivé directement. En gros ça fait comme si c'était un bouton. Et donc si on va dans la petite usine et que je prends une petite potion de night vision, c'est là qu'on va voir si j'ai pas fait de bêtises. On va vite voir si j'ai fait des bêtises. Et donc normalement à certaines couches vous allez voir l'eau va s'enlever et elle va se mettre sur les deux autres. Et à l'inverse, regardez, l'eau elle s'enlève sur ces deux, elle se met là. On va vérifier pour cette hauteur. Ce que je vous conseille c'est de vérifier pour chaque hauteur, c'est assez important. Voir si jamais vous n'êtes pas trompé, sinon ça nique une de vos plateformes et c'est un peu galère. Donc cette hauteur, est-ce qu'elle est bien faite? Attention, l'eau va s'enlever normalement quand tu veux pour t'enlever l'eau. Voilà, et l'autre eau devrait se mettre. Là c'est parfait, ça bien géré. Maintenant je vais aller check les trois dernières hauteurs. Voilà, normalement il devrait pas avoir de problème. Ok, ça m'a l'air vraiment parfait, il n'y a pas de problème. C'est good. Alors moi, malheureusement, j'avais mis des lumières, donc on va vite les enlever si je veux pouvoir vous montrer comment fonctionne cette usine, si elle fonctionne bien ou pas. Ça dépend vraiment. Oula, mais c'est vrai que ça lag énormément. Je sais pas si vous l'avez senti quand vous, quand il y a énormément de hauteur et que vous update une petite truc donc de lumière. Regardez le bug que ça va faire. Ah non, encore là, ça va pas trop bugger. J'ai eu de la chance. C'est plus quand on est au milieu que ça bug un peu plus. Mais bon. C'est pas trop grave, hop là j'enlève toutes les lumières, est-ce que j'ai tout enlevé? Non, il en reste une ici, de toute façon c'est pas très compliqué. Vous prenez un pseudo pour ma part, hop là je le bois et normalement on va voir s'il fait tout nuit.
Oui, il fait tout nu, comme vous pouvez le voir, hein, comme je l'avais dit, la lumière parfois rentre. Alors là, ça devrait bien se passer, normalement, la lumière vient pas jusque-là. Mais bon, si jamais vous avez peur, vous pouvez encore faire des blocs de hauteur, ce n'est pas un souci. Voilà, là, vous allez me dire, mais attends, mais les mobs ne spawnent pas, c'est quoi ton problème de l'usine? C'est normal, comme je vous ai dit, parce que je n'ai pas activé le mob spawn et que je suis en peaceful. Voilà, je vais passer en hard. Hop là, et là, normalement, on devrait voir les mobs qui spawnent. Alors, sur PS4, de mémoire, quand vous regardez l'usine, j'ai l'impression que ça a tendance à ne moins spawner quand vous la regardez, alors que quand vous regardez le sol, j'ai l'impression que ça a tendance à plus spawner. Après, est-ce que c'est un effet, on va dire, d'optique ou je sais pas trop quoi? Je ne sais pas. Donc voilà, là, on a vu un creeper tomber, un tout premier. Hein, voilà, je sais pas exactement le rendement de cette usine. Mais en tout cas, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a que des creepers et donc c'est pas mal. Bon, là, il se stack pas ou il ne dépop pas parce que je n'ai pas de hopper en dessous ni rien. Mais si jamais vous aviez mis des hoppers ou quoi que ce soit, c'est pas mal. Alors là, complètement, il y avait que des araignées parce que comme je vous dis, ça fait spawn aussi des araignées. Vous auriez pu le bloquer en mettant tout simplement des, de mémoire, si jamais vous mettez des petits fence gates, voilà, à certaines hauteurs, ça devrait bien se passer normalement. Si on monte dans l'usine, peut-être qu'on devrait voir, voilà, des araignées de temps en temps, que des creepers et des araignées normalement. Enfin, je crois qu'il y a que ça qui peut spawn. Si je me trompe pas, voilà, creeper ici. Là, est-ce qu'on a autre chose? Je ne sais pas. Et le truc, c'est qu'en gros, là, ils croient qu'en fait, ça, c'est un bloc. Ils vont avancer, ils vont se dire, oh, mais il n'y a rien, hop là, j'y vais. Et en fait, non, il y a quelque chose, quoi, mon gars. Et hop là, ils tombent. Et ensuite, on récupère leur précieux loot. C'est plutôt pas mal. Et puis voilà, en tout cas, je pense que j'ai vraiment tout expliqué. Du moins, j'espère le mieux possible. Parce que j'espère que j'en ai pas perdu certaines personnes. Alors, comme je l'ai dit, hein, ces blocs sont vraiment cosmétiques. On s'en fout littéralement. Hein, j'aurais pu les enlever. C'était juste pour faire un style de château fort. Et puis voilà. Et aussi, oui, avant de se laisser, très important, les deux dernières choses. Si jamais vous voulez que votre clock se désactive et arrête de fonctionner, vous pouvez tout simplement faire venir monter un petit système de redstone, que ce soit avec des petits blocs slime, enfin des slime blocks, voilà, ou avec juste de la redstone tout simplement. Et en gros, ce que vous allez faire, c'est très simple. Vous allez venir mettre comme ce que je fais actuellement, comme ceci. Et quand vous allez quand vous voulez désactiver l'usine, c'est très simple, vous venez comme ceci, voilà, vous faites ça là, comme ça. Et en gros, quand vous voulez désactiver l'usine, vous mettez le truc activé, c'est-à-dire que ça va simplement bloquer les hoppers, et les hoppers vont arrêter de bouger. Bon, l'usine à l'intérieur, il y aura toujours de l'eau à des endroits, il y aura toujours des, comment ça s'appelle, des mobs qui vont spawn, mais ils ne seront pas poussés, on va dire, de force, c'est eux qui vont vouloir eux-mêmes tomber. Donc voilà, on sait jamais, si jamais vous voulez désactiver l'usine, je ne sais pour quelle raison, vous le pouvez. Et puis voilà, et puis comme je vous ai dit, vous faites descendre ça jusqu'en bas et c'est putain de fonctionnel. Ouais, excuse-moi pour le gros mot au passage, mais bon, voilà, il fallait le dire. Et aussi, dernière chose avant de se laisser, très important, n'oubliez surtout pas de d'aller les systèmes redstone, surtout quand il y a des blocs et tout, parce que ça spawn, et même à l'endroit où c'est que vous avez de la redstone, ça spawn. Donc conseil, vous passez en sneak comme ça, là, vous mettez des petits trucs partout comme ça, vous cliquez vraiment partout. Hop là, vous faites tout votre truc comme ça. N'oubliez pas d'en mettre aussi ici, c'est important. Et mettez pas les dalles à cette hauteur là, hein, sinon ils vont spawn les mobs. Mettez-les bien à la hauteur inférieure, pas à la hauteur supérieure des blocs. Et puis voilà, et n'oubliez pas aussi de le faire à cet endroit là. Ici en haut du système, vous pouvez le faire là et là. De mémoire, les mobs ne spawnent pas là. Là, il pourrait avoir une chance qu'ils spawnent, donc mettez-en quand même ici de temps en temps. Hein. N'oubliez pas, quand vous faites le système redstone, vous pouvez le faire comme ça. On sait jamais, hein, vaut mieux prendre ces précautions plutôt que se retrouver avec un creeper qui spawn là et avoir des pertes de mobs à certains endroits. Parce que je vous le dis, hein, c'est tout bête, mais si je mets en plein nuque, je m'écarte et tout, que je reviens, vous aurez je sais pas combien de mobs sur cette usine. Alors j'ai envie de tester pour voir vraiment ce que ça donne. Alors je me suis écarté, est-ce que quand je vais revenir, il va y avoir des mobs sur l'usine? Ça, c'est la bonne grosse question que je me pose. Est-ce qu'il va y avoir des mobs? J'ai pas trop l'impression. Bon, après, comme je l'ai dit, c'est vraiment aléatoire. Je vais juste faire un tout dernier test pour voir. Passage du bas, elle est vraiment classe. Bon, après, c'est la X-Mob, hein, on l'a déjà tous vu. Si jamais vous avez déjà vu des vidéos de Hyper ou du moins des vidéos des gens qui font des petites usines, vous la voyez. Pourquoi il n'y a pas de mobs qui spawn? Est-ce que je suis... Non, je suis en hard, j'ai les mobs spawning et tout et tout. Pourquoi ça ne veut pas spawn? Là, il devrait y avoir des mobs qui vont tomber, normalement. C'est peut-être parce que je regarde l'usine. Oui, je vous dis, quand vous regardez l'usine, c'est chelou, j'ai l'impression que ça spawn pas. Alors que quand vous regardez le sol, regardez, normalement, on va peut-être voir des mobs tomber assez rapidement. Après, comme je vous dis, c'est vraiment aléatoire, mais j'ai l'impression que sur PS4, ça fonctionne dans ce style. Mais bon, voilà, c'est pas trop grave. On va juste aller check, voir s'il n'y a pas des mobs qu'on spawn en haut. Il devrait peut-être y avoir 2-3 mobs qu'on spawn. Voilà, regardez, faites gaffe à ça, il y a des creepers qui spawnent ici. Il peut y avoir même des squelettes ou n'importe quoi qui spawn en haut et ça peut être très très dangereux. Donc voilà, ça c'était pour le moment, on va dire, très important quand même de votre usine. Et puis je pense qu'on va se laisser là parce que j'ai vraiment montré tout ce qu'il y avait à montrer sur cette belle petite usine. Spécialement pour, j'allais dire pour squelettes, non, pour creepers et aussi un petit peu pour araignées, hein, voilà quoi, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez tout simplement les enlever, enfin je vais pas vous montrer, mais normalement vous pouvez les arrêter que comme quoi les petites araignées spawn juste en faisant ça, si je me trompe pas, ou du moins, ouais, je sais pas. Regardez bien les petites usines de Mumbo Jumbo, lui il le montre.
Moi, j'ai pas voulu montrer parce que je trouve que quand même les araignées c'est assez important. Mais bon, voilà. En tout cas, on va se laisser là. J'espère que cette petite usine vous aura plu. Je sais pas du tout combien de temps la vidéo va durer. Normalement, cette usine, elle est déjà dû être faite sur plein de chaînes. Hein. Commencez pas à me dire plagiat sur telle personne ni rien parce que littéralement, c'est fait sur plein de chaînes et sur PS4. Je vois personne qui fait des usines pour montrer les trucs sur PS4. Il y a des trucs qui changent de temps en temps, du genre les systèmes de hauteur et tout. Hop, ça, on les a vu passer. Les hauteurs et tout changent sur les PS4. Il y a certains trucs qui changent. Donc, c'est pour ça que moi, je refais souvent les systèmes pour PS4 spécifiquement. Voilà, hop là. On va se laisser, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, cette petite usine aussi, si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, et puis moi les gars, je vous dis à la prochaine, allez, ciao les gens. Et au passage, quand ça s'écarte plutôt pas mal loin, j'ai l'impression que ça spawn aussi plutôt pas mal.